87.5. I've been focused way too much. Need to get out, need to do something. Feels like I'm going dancing. Music made the pain too numb. Money bringing out the demons. Life changing, never seen it. My life changed in an instant. Never been the same since. That's why I do what I do. Not for the Bentley cool, nah. Not for the Louis V shoes. This for. Bon, les gros, j'ai un peu le seum. Mes lunettes sont pétées. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, bref, il va falloir que j'en rachète. C'était les fameuses lunettes anti-lumière bleue, donc qui sont pas mal. Ça vous bloque en fait toute la lumière bleue qui provient des écrans, donc c'était vraiment pas mal. Donc elles sont pétées, donc bon, je verrai, pour peut-être en racheter ou les réparer avec du scotch ou je sais pas. En tout cas, là, je pars faire des courses, donc je vais aller acheter principalement de la viande, donc que ce soit du poulet ou de la viande 5%. Je vais voir si. Je vais en acheter, je pense, directement ça en supermarché, mais le poulet, en fait, je peux en acheter beaucoup pour pas très cher, donc vers la boucherie, pas loin de chez moi, donc on va y aller directement. Ensuite, il faudra préparer parce que c'est sous pack de 5 kilos, donc c'est plutôt énorme, mais ça me permet en fait de, bah, du coup, préparer et paquer du poulet, etc. pour pas mal de temps. Et vu qu'on veut vraiment être back in shape, donc on essaye de tout cadrer, donc ça va être du bon poulet, etc. On va tout paquer et tout préparé, et ensuite juste après ça j'irai à la salle. Donc là c'est un peu le moment où il fait ultra chaud, donc je sais que vers fin de semaine etc il va pleuvoir et tout, mais là il fait ultra chaud. Je crois qu'il fait 26, ouais c'est ça, il fait 27, je sais pas si vous pouvez voir, enfin bon bref, et tout à l'heure il va faire 28, enfin bon, je vais peut-être essayer d'aller à la salle même après, genre en fin, genre vers peut-être 18h etc. Ça va pas être une séance très intéressante, hein, je vous dis directement, ça va être les ischios. Donc bon, je vais quand même essayer de vous filmer ça parce que je vous filme jamais les ischios, et la dernière fois que j'ai filmé les quads, on voyait pas énormément, enfin bon, c'est pas ultra ultra intéressant, c'est du bodybuilding, et donc c'est pas des trucs ultra ultra lourds, c'est pas des gros mouvements SBD, mais bon. C'est ce qu'il faut pour avoir un vrai physique, donc bref les gars, moi je me prépare et bah, je descends, je vais essayer de vous filmer un peu quand même, et bah vous me suivez. C'est bon. Là, il y a 5 kilos, donc faut être stratégique. Comment on va paquer les trucs? T'en veux, hein. Ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. En vrai, c'est 15 jours, ça. Du coup, je vais ouvrir ça. Et on voit mieux, là. Du coup, j'ai tout paqué en truc de 300 grammes, sachant que je mange à peu près 150... Je suis censé manger 150 grammes à peu près de poulet. Que ce soit genre midi, collation, etc. Donc ça peut à peu près... Bah, j'ai paqué en tant que 300 grammes justement, comme ça j'en ai mis au congélateur. Donc ça fait à peu près 15 paquets, donc on va dire à peu près 2 semaines logiquement. Donc je vais voir, parce qu'après il y a peut-être d'autres personnes qui vont taper dedans, donc forcément. Donc là il fait super chaud, mais je vais me préparer pour aller à la salle parce qu'après il sera un peu trop tard. Je vais faire un petit plan un peu sympa. Donc on part sur les ischios. J'aurais bien pris un petit monster, mais j'en ai plus. Les petits mangos, ils sont excellents. Donc bon, bref, je vais juste prendre un petit booster. Je vais prendre un booster énergie, donc il m'en reste un d'une autre marque. Mais je vais aussi rajouter le Pumperix toujours dedans, surtout pour les ischios qui sont largement mon point faible au niveau des jambes. Donc j'ai envie de bien congestionner au niveau des ischios pour bien les ressentir.
Donc voilà, je vous montrerai ma séance. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré auparavant. Plutôt simple, efficace. Donc toujours en split. C'est-à-dire qu'une séance égale un groupe musculaire. Donc c'est-à-dire pec, épaules, bras, ischio, quad, je sais partout. Et peut-être que ça bougera dans quelques temps. Mais bon, pour l'instant, je garde toujours pareil. On essaye d'être focus et très carré pour cet été, pour même en général. Essayer d'avoir le meilleur physique possible. Donc je prends mon pré-workout et c'est parti. Sache désolé si je regarde juste en haut, c'est que j'ai mis un petit retour. Et du coup, je regarde un peu plus le retour que vous. Donc bon, désolé. Montrer un truc, il y a un truc que j'essaie de faire, c'est qu'en fait j'essaye de blanchir mes semelles de Yeezy. Donc je sais pas si vous savez, mais les Yeezy, la semelle devient un peu jaune en dessous. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait un truc genre tu mettais un produit, moi j'ai mis ça. Hop là, c'est grave chimique, c'est ça. Et en fait j'attendais du coup le soleil, parce qu'en fait il fallait l'appliquer sur la semelle et attendre qu'il y ait des UV pour que ça s'imprègne, etc. sur la semelle. Donc on va voir le résultat, mais c'était pas fameux, hein. Ça marche pas trop. Voilà, elle est pas tombée. Non, c'est bon, elles sont pas tombées. Bon, je sais pas si on voit bien. Du coup, je les ai mis avec du film plastique et là au soleil. Donc je verrai ça en rentrant. Hop. Je le pose juste là. C'est la haisse qu'on n'a pas de balcon. Donc bref. C'est parti. Prendre ce petit post-workout qui est du coup la whey QNT, la digest pistache. Je vais plus la présenter parce que vous savez très bien, je sais pas comment je vais poster cette vidéo, mais si c'est avant vendredi ou vendredi, vous avez jusqu'à logiquement minuit
pour bénéficier des Ambassador Day. Ça veut dire mon code il passe de moins 20 à moins 27% sur QNT. Donc toujours mon code il bouge pas, c'est Arthur20. Donc si vous voulez bénéficier de moins 27% sur les meilleurs compléments pour moi que j'utilise tous les jours, que ce soit whey, créatine, un peu tout, juste des fois booster, les boosters un peu stimulants, je change de marque parce que j'aime bien essayer de nouveaux trucs, mais tout ce qui est du basique, que ce soit créatine, whey, magnésium, oméga 3, toutes les vitamines, etc. Toujours QNT. Petit update pour ceux qui veulent savoir pour mon épaule, j'ai repris une bonne cure de Joint Plus et on continue toujours sur mes exos de mobilité sur l'épaule. Ça va, j'ai plus du tout de douleur. Juste il y a quelques jours, en fait, j'ai fait du basket, etc. Donc en fait, je pense que j'ai un peu trop bougé mon épaule, donc j'avais un peu mal. Mais sinon, en général, ça va plutôt bien. Donc je suis plutôt content de pouvoir reprendre. J'ai fait une séance pec où j'ai bien pu reprendre tranquillement mes charges. Ça va revenir tranquillement. J'essaie de changer un peu l'angle d'avant pour essayer de beaucoup moins taper dans les épaules. Mais j'essaierai de vous montrer dans une prochaine vidéo forcément ma séance pec, comment je l'ai un peu adapté, même si je suis un peu tous les exos, j'essaie juste d'adapter un peu l'angle. C'est le moment les gars, on va faire l'update sur les Yeezy. Honnêtement je pense que ça n'a rien changé. Donc s'il y a des gens qui ont des tips etc pour nettoyer etc, ça j'ai trouvé un tips comme ça sur YouTube, mais je sais pas en fait, à ce qui paraît ça marche pas trop, sinon j'ai pas le bon produit. En fait c'est souvent des trucs américains et on vous donne pas la référence exacte du produit etc. Donc j'ai à peu près deviné c'était quoi, j'ai commandé sur Amazon mais bon c'est pas ouf. Je vais vous montrer. Si le rendu actuellement, je sais pas si vous pouvez voir. Donc tout ce qui est incrustation noire etc, c'est pas parti avec que ce soit la brosse, les produits crêpes et tout ça. Donc bon, ça c'est de la crasse incrustée, donc ça faisait longtemps en fait, je les avais un peu laissé en mauvais état et donc je pense que ça fait un peu longtemps en fait, mais j'ai l'impression que ça devient un peu moins jaune. En fait je vous ai pas montré le avant, mais avant c'était vraiment jaune, donc je pense que je vais les renettoyer, réessayer avec le produit et je vous ferai un update peut-être dans la prochaine vidéo pour voir ce que ça fait. Ce qui est plutôt cool du coup, c'est que j'ai vu qu'en ce moment c'est les meilleurs moments par rapport aux UV, donc c'est ce qu'il fallait en fait avec le produit. Et j'espère retrouver une semelle comme avant pour essayer de les faire durer un peu, parce que ça fait un peu mal aux fesses quand on connaît le prix de ces chaussures. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Merci pour les retours sur les dernières vidéos. J'essaie d'apporter des styles un peu différents à chaque fois pour essayer de voir un peu ce qui me plaît. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.